Il est vrai que les marchés ont affiché un certain enthousiasme ces derniers mois et que les investisseurs voient surgir quelques risques de correction au vu des niveaux de valorisation de certaines entreprises. Chez Clartan, nous continuons de nous focaliser sur des règles très simples que nous suivons depuis 35 ans. Les marchés sont imprévisibles à court terme, les bons élèves ont tendance à le rester et la bourse reconnaît la valeur réelle des entreprises sur la longue route. Clartan Valeur est géré comme un holding de participation avec pour ambition de doubler le capital des investisseurs sur un horizon de 7 à 10 ans en privilégiant les entreprises décotées à forte rentabilité. Historiquement, le fonds a mené à bien cet objectif et a gagné de l'argent dans 100% des cas sur ces deux horizons. Aujourd'hui, le compartiment est constitué pour réaliser une performance sur les 7 à 8 prochaines années qui devrait être substantiellement plus élevée que les 7,7% annualisés de ces 30 ans d'historique. Le levier opérationnel des titres du fonds et la décote par rapport à leur valeur intrinsèque permettent de tabler sur des perspectives de performance annualisées conservatrices de plus de 10% pour les prochaines années. Le compartiment a d'ailleurs bien amorcé cette trajectoire sur les derniers mois avec une progression de plus de 40% depuis les plus bas de 2020. Dans un contexte où le potentiel haussier sur les valorisations paraît limité, Clartan Valeur représente donc une solution extrêmement fiable sur le long terme. Pour les investisseurs qui favorisent la durabilité, nous proposons Clartan Ethos ESG Europe Small Mid Cap, classé dans le deuxième centile sur 687 fonds dans le classement durabilité de Morningstar. Ce fonds, lancé en 2020, est structurellement investi à plus de 92% en actions européennes de petite et moyenne capitalisation. Nous irons à la rencontre des adhérents de l'Anacofi le 2 septembre au pavillon d'Arménonville et puis nous serons également présents à Patrimonia, stand H50 ou encore à BFM Patrimoine le 25 novembre au Carrousel du Louvre.